Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui est un peu spéciale parce que c'est par rapport à une demande d'une personne qui m'a contacté parce qu'elle avait un problème avec son portable. Cette personne m'a expliqué rapidement, j'ai un portable récent, il y a du Secure Boot, donc de l'UEFI, j'ai un SSD de 256 Go et je n'arrive pas à faire après l'installation, je n'arrive pas à faire démarrer l'Antix-MX. Bon, j'ai fait quelques recherches et je me suis aperçu qu'il était beaucoup plus simple d'expliquer en vidéo comment installer une Antix-MX 15 en UEFI que par du blabla écrit. Donc je mets cette vidéo en ligne. J'espère que ça aidera certaines personnes qui auraient envie d'installer des Debian et compagnie comme la Antix sur une machine en UEFI. Voilà, c'est parti. Pour ça, je vais vous montrer ça. C'est assez spécial. Et je vais vous dire que j'ai galéré pendant près de 20 minutes pour trouver la solution. Voilà. Donc là, première chose. Là, on a le démarrage. Pour l'avoir en français, il faut passer par l'option Custom Boot Menu, Entrée. Là, je vais jongler entre eux. Voilà, là, il faut commencer par taper le 21 pour l'avoir en français. Après ça, désolé, on va passer comme ça, parce que sinon, on ne va rien voir. Donc, Paris, il est où, Paris 23. Option. Hop, ça. Bien sûr, donc je vais libérer la souris pour pouvoir descendre. Ça, le problème avec l'UEFI, c'est que c'est directement plein écran. Donc, on ne va rien garder. On pourra toujours modifier après. Entrée. On est parti. Voilà. C'est tout pour avoir l'ensemble en français. C'est quand même beaucoup plus pratique pour installer, parce qu'en anglais, c'est moins évident à expliquer. Oui, étant donné que là, on peut remercier Microsoft et les compagnies pour avoir inventé l'UEFI, qu'ils soient bénis jusqu'à la 15e génération de leur descendance. C'est un peu dommage quand même que l'Antix ne propose pas d'installateur, une version d'installateur déjà prêt à l'emploi. Donc là, nous avons l'Antix qui démarre. Bien sûr, il faut utiliser l'Antix 64 bits. C'est quand même mieux. Voilà. J'ai oublié de préciser, mais bien sûr, il faut partir d'une Antix MX 64 bits pour l'UEFI. Donc, on va commencer par lancer l'installateur. Ah, bien sûr, c'est maintenant que vient le morceau de choix. Il faut exécuter l'outil de partitionnement. Il ne faut surtout pas prendre le partitionnement classique. Et c'est là qu'on peut remercier une nouvelle fois Microsoft et compagnie. Allez vous faire. Voilà. Donc, on va commencer par créer une table de partition au format GPT. On applique. Là, sur un SSD, il ne faut jamais de swap. Vous pouvez toujours avoir un duo SSD disque dur pour mettre un swap si vous en avez envie. Là, il nous faut trois partoches. La première qui est celle de boot, qui sera automatiquement en FAT32 et qui fait 512 mégas. Cherchez pas à comprendre, c'est le principe de l'UEFI. On va prendre une partition root qu'on va mettre de 20 gigas. Moi, je mets 20 gigas par... Vous mettez tel que vous voulez, mais 20 Go déjà, c'est bien confortable. On a extendu 4, bien sûr. Et le reste sera utilisé par Home. Ne soit pas taille du root, c'est à vous que vous voyez, mais minimum 15 à 20 Go, on est tranquille. On applique. Et il y a une autre opération à faire. Pardon. Voilà. On ferme ça. Il ne faut pas terminer parce que ça, c'est pas le bon drapeau. Donc, on va cliquer droit, clic gauche, puis droit. On fait gérer les drapeaux et on clique sur ESP. Automatiquement, il va mettre le drapeau boot. On ferme. Et voilà. Maintenant, on peut y aller tranquillement. Donc, on utilise installation personnalisée sur les partages existantes. Ça vaut mieux. Donc là, on n'a rien à modifier. Donc... Et si j'avais créé une partie, si j'avais mis un deuxième disque dur, j'aurais pu mettre la partition swap dessus. Et bon, là on prend le cas le plus simple. Et on est parti. Là, vous comprendrez pourquoi je suis passé par une vidéo. Parce que expliquer ça avec du blabla, c'est pas la peine. Blabla avec que je parle.
J'espère moi que cette petite vidéo que je suis en train d'enregistrer aidera quelques personnes à s'en sortir. Parce que je vous avoue que j'ai galéré pour trouver le moyen pour vérifier que le boot, le partitionnement était correct. Pour trouver le moyen de mettre le bon flag sur la partition. Comment partitionner sans se prendre la tête. Comment trouver en VF. Bonjour. Mais au moins comme ça, si des personnes ont un jour envie d'installer une Antix MX 15 sur une machine avec de l'UEFI, elles pourront. Pardon. Et encore heureux, l'Antix c'est pas très long à installer. J'ai quand même envie de vérifier que les mises à jour se passent bien pour éviter de laisser des personnes sur le coin de la route. Sur le bord de la route, parce que c'est quand même ennuyeux de se dire merde, je vais installer une distribution, saloperie de VFI, saloperie de. Bref. On retombe dans le bon vieux proverbe Shadok, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. T'avances, oui. En tout cas, je tiens à remercier la personne qui m'a contacté pour ce problème. Ça m'a fait plaisir et ça m'a occupé quelques dizaines de minutes ce matin. C'est toujours un plaisir de pouvoir faire un peu chauffer ses neurones pour autre chose que pour des bêtises comme le systemd contre 6VUnit ou BSD contre Linux ou VI contre Emacs. Voilà, c'est quand même plus intéressant et plus productif. Et plus intéressant que de tester la 3500e dérivée d'Ubuntu qui ne sert strictement à que strictement à rien. Donc, il est bientôt fini. Ah, par contre, il y a des petits bugs. Votre mix Linux, j'avais pas fait gaffe à ça. Parfois, il y a des petites coquilles comme ça qui passent, et puis on s'aperçoit qu'au dernier moment, c'est marrant, c'est la coquille de la vidéo. Ouais. Ça l'a abandonné maintenant, oui, c'est cela, oui. Donc là, c'est bien précisé. ESP pour les partitions d'amorçage, UEFI 64 bits. Donc, il choisit par défaut la bonne option, on n'y touche pas. Compris ? Le premier qui y touche, il se prend deux retours de ma part. Deux claques de ma part, version boomerang. Et pas qu'un peu. On s'est pas tapé les ennuis jusque-là pour faire une fausse manipulation sur la fin. N'est-ce pas? Il est gentil, Grub. Il est gentil, le Grub. Il va s'installer. Bon, on va regarder. On va mettre. On va juste personnaliser ça. On va mettre Fredo MX15. Vous mettez ce que vous voulez.
Samba peut garder ça, mange pas de pain. Bah, non, c'est bon, blablabla, ça c'est bon. Maintenant, on crée un compte utilisateur. Vous ne croyez pas non plus que je vais vous montrer le mot de passe, bande de petits cailloux. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Maintenant, alors c'est la mise 14, donc c'est la mise 15. Ouais, on voit déjà quand même des petits problèmes de traduction. Et maintenant, on croise les doigts et les doigts de pied, les orteils, on croise tout ce qu'on peut croiser pour que ça redémarre correctement. Et là, bien sûr, il va falloir que je refasse un redémarrage à l'arrache. C'est pas bien, mais faut bien par moment y passer. Voilà, nous avons un groupe qui fonctionne. Ouais. Désolé. C'est le soulagement de voir le bout démarrer. D'avoir l'écran de. Oui! Ah, ça fait du plaisir de voir ça. Donc, on va quand même aller jusqu'au bout. On va installer les mises à jour et voir si ça redémarre. Parce que je pense quand même qu'il va y avoir une mise à jour du noyau dans l'histoire. On va fermer ça. Le fond d'écran, je vais peut-être le piquer finalement. C'est intéressant. Alors, mise à jour disponible 0. Ben voyons. Zéro mise à jour. Ben voyons. S'il y a zéro mise à jour, mon popotin va se mettre à cacoter. Ah, je préfère. Donc, il y a. Oula, oui. Est-ce qu'il y a le Linux kernel? Je pense qu'il va y avoir le kernel. Parce qu'il y a même pas mal de petits paquets à mettre à jour. Ah, oui, quand même. Je sais pas si c'est un carnet, mais en tout cas, il y a pas mal de paquets à mettre à jour. Hein. Waouh! 208 paquets à mettre à jour. Oh. Que 339 mégas, c'est bon. Et c'est là qu'on apprécie d'avoir un bon serveur en face. On peut espérer une chose, c'est que la prochaine version, la XMix 16, il y aura l'installateur qui proposera directement le partitionnement pour l'UEFI. Ce sera quand même plus pratique que de devoir se taper la création de la partition FAT32, le passage en boot et compagnie. Parce que c'est quand même malheureusement pas la portée du premier venu ou de la personne qui débute sous Linux. Oula! C'est loin d'être le cas, malheureusement. Ce qui n'empêche pas que l'antique est une très bonne distribution.
Bon, d'ici 5 minutes, on aura peut-être redémarré. C'est ce qu'il faut espérer. Je veux surtout redémarrer pour voir si au démarrage, ça tient encore le choc. Parce que je pense qu'il y a un noyau qui a dû mettre une mise à jour. Alors, comme je suis curieux. Donc, le passage à Debian GC 8.4, oui, bon, classique. La montée en version. Libc, oui. La mise à jour de Debian 8.1, 8.2 vers la Debian 8.4 du classique. Bon, que du classique. C'est vrai qu'on est loin des 700 mégas d'une mise à jour sur une installation neuve de la Manjaro 15.12. On atteint 700 mégas à peu près maintenant. Merci Manjaro de ne pas prévoir une ISO intermédiaire avant la 16.06. Bref. Donc, mise à jour classique de LibreOffice. C'est avance quand je recule. Comment veux-tu que je mette mon pull? Ah oui, quand même. Firefox 46. Waouh! Ça des potes. Désolé, c'est d'humour, hein. Donc là encore pour 3 minutes, il aura terminé. Vous savez que quelques 200 quelques paquets à mettre à jour, c'est un peu lent, hein.
paquet qui est pas passé. On va mettre N. Bon, le paquet qui est pas passé, c'est pas bien grave, mais au moins, enfin, c'est pas un paquet mortel, apparemment c'est un paquet de son. Ça ne va pas empêcher l'ensemble de fonctionner. Il y a quand même pas mal de traductions générées. Oula! Ça va prendre un petit bout de temps, oui, déjà une dizaine au bout de 30 secondes. Ça fait mal. En tout cas, le principal, c'est d'arriver à faire démarrer une MX sur de l'UEFI. Déjà, c'est pas si mal que ça. Car c'est pas évident. Hein. Encore combien de générer de la faire générer 14 ou 15 550? Non mais c'est bon quoi. On voit le système qui est vraiment multilingue par défaut. Ça change de certaines productions. Et non, je ne dirais pas de nom. Désolé, c'est mon portable. Oui. Ce que ça peut être long. LibreOffice en anglais. Comment ça, LibreOffice en anglais? C'est étonnant quand même qu'ils sont en anglais, LibreOffice, parce que j'ai vu juste marqué l'aide en ligne anglaise. Et, mais oui, bon, il faut juste rajouter le français. Bon, mais autant pour moi. Je m'en rappelais pas qu'il y avait ce petit bug de traduction dans la Antix. Bon, c'est pas bien grave, hein, il y a pire. Qui a un tentative d'emplacement. Bon, d'accord, il y a des paquets qui sont en conflit, mais ce n'est pas bien grave, ce n'est pas mortel. Ça n'empêche pas l'ensemble de fonctionner. Allez, on va faire redémarrer une nouvelle fois l'ensemble. Voilà, donc on va redémarrer la Antix pour voir si elle redémarre toujours sur l'UEFI.
Bon, ben, j'ai quand même l'impression que ça fonctionne, hein. Mis à part ce paquet qui n'a pas voulu se mettre à jour. Le principal, c'est que l'Antix installé en UEFI, sur une machine avec UEFI, décide de bien vouloir sortir, montrer son museau. Voilà. Donc je pense que pour les traductions, ça doit être. Outils peut-être. Attends, le paquet, c'est ça. Je vérifie quand même la dernière fois parce que là, pour avoir quand même la traduction VF de LibreOffice, c'est quand même mieux. Tant qu'à faire. Alors, c'est Office. LibreOffice 5, on sait pas ça. Language peut-être. Voilà. Donc on va mettre French. French Firefox. French Hello Mail. Et French Southern Web. Installé. Normalement, ça devrait le faire. Ah, zut! Qu'est-ce qui se... D'accord, j'ai compris. Saleté de sa race. Pseudo dpkg.configure. Ah, c'est bon. On a forcé la main. On va virer les paquets inutiles. Auto-remove. Donc là, normalement. Installateur de paquets. Donc, si vous avez un problème avec un paquet qui ne veut pas s'installer, vous êtes dans une commande, dans une ligne de commande, vous faites sudo apt-get install-f, ça force l'installation. Après, il vous indique tout. C'est quand même ennuyeux que ces paquets ne sont pas passés. Et normalement, c'est trop bon. C'est quand même mieux que ce paquet ne soit pas passé. Donc là, il faut passer par sudo apt-get install apt-get install-f. Ça permet de forcer la main et ça règle le problème. C'est un peu ennuyeux quand même. C'est le seul bug vraiment gênant que j'ai eu avec la Antix en version UEFI. Comme quoi, c'est toujours les petits bugs qui sont les plus chiants. Voilà, normalement, on doit avoir maintenant LibreOffice en français. Ah, ça va mieux. Et notre ami Mozilla Firefox en français. Bon, allez, on va installer l'indispensable
Voilà, je vous passe comment on passe en français, tant que j'y suis. Langlois. Enable. Pardon. Donc, on redémarre. Close tabs. Bah, il m'énerve. Non mais c'est allé du direct. Hein. Non, c'est bon, il n'est plus lancé. Voilà. Et maintenant, l'indispensable outil d'hygiène informatique. N'en déplaise à certains. Voilà, l'indispensable outil d'hygiène informatique. Et dernier truc que je vais vous montrer, si vous voulez récupérer les bons vieux menus en haut, là, vous faites clic droit entre les deux, barre de menu, et voilà, vous avez récupéré vos menus classiques. Voilà, c'est fait, c'était un peu plus long que prévu, je suis désolé. Il y a eu quelques couacs, je suis désolé, mais au moins je vous ai montré l'installation et la post-installation du Nantix en UEFI. J'espère que ça vous a plu, que ça dépendra à certaines personnes. Sur ce, je vous salue et à la prochaine.